je pense comme ça c'est bien, mais juste là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, mes yeux ils sont méga fatigués, j'ai l'impression j'ai fait nuit blanche alors que pas du tout, j'ai très bien dormi même, mais je sais pas pourquoi mes yeux ils se ferment, enfin bref c'est très bizarre comme sensation. En tout cas, regardez genre mes yeux, ils se mettent comme ça, ils se plient instinctivement, c'est très bizarre. J'avais encore un petit peu le seum quand même de l'avoir coupé, mais j'ai pris l'habitude de me voir sans et j'ai hâte qu'il revienne quand même. Après, je ferai la moustache de Mexicano, mais là pour l'instant c'est compliqué, ma moustache elle pousse plus beaucoup. On a aussi bien évidemment. Let's go.
À vue d'œil, je la vois pas. Oh, je le vois. Ok, bah j'ai juste enlevé ça, je l'ai vu. Dessous le plat aussi. De base, avec cette rigueur, j'aime bien faire du tapping avec mes ongles, mais je les ai coupés il y a pas très longtemps, du coup, ben, c'est pas très évident.
c'est un petit peu plus lumineux. D'ailleurs aussi, je vais bientôt aller chez le coiffeur parce que regardez mes cheveux. C'est en fait de devant. En général, ça se coiffe plutôt bien, donc ça va. Mais c'est surtout l'arrière, regardez-moi ça. Bah, vous pouvez pas trop voir, mais en fait... Ah si vous voyez là, regardez ça. Ça fait comme des épis. Genre, ça, en fait, ça fait des... Ouais, ça repique en fait, et c'est horrible. Je déteste avoir des cheveux comme ça à l'arrière. Donc je vais des épaissir derrière. En fait, je sais pas trop quoi faire, sincèrement. Est-ce que je coupe le dessus? Genre, est-ce que je coupe les pointes? Déjà derrière, je vais couper, c'est sûr. Mais est-ce que je fais en dégradé? Qu'est-ce que je fais en fait? Même là... Le son est incroyable.
escargot.